Écoutez un peu les Camerounais sur lesquels vous comptez pour le changement. Hein. Écoutez attentivement. Je vous préviens sur mon délire. Écoutons. Les gens de Johannesburg m'ont eu. Alors, je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Alors, pour ceux qui me connaissent sur les réseaux, savent que ça fait à peu près un an et demi que vraiment ma part Écoutez. A monté. Beaucoup m'ont découvert parmi nous. Et pour ceux qui me connaissent depuis peut-être 2020, 2021, 2022, savent que je suis là et je fais les contenus. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que à côté de ça, ça fait à peu près un an déjà. Ça fait à peu près... Un an déjà. Que les gens de OneSbet n'ont cessé de me contacter pour faire la promotion de leur pari sportif. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui se passait? Chaque fois, je refusais parce que selon mes valeurs éthiques et morales, ils me disaient non, voilà, je ne prends pas OneSbet parce que voilà. Et même jusqu'à présent, je ne prends pas. Et je vous assure que depuis au moins un an, je ne suis pas moins de 15 propositions, c'est-à-dire, tu restes, on vous appelle, monsieur, est-ce que vous avez un code de promo? Une autre personne t'appelle un jour, une autre personne. C'est comme ça, on envoie tous les commerciaux. Et à un moment, je me suis rendu compte que OneSbet, que j'ai passé le temps, je me rends compte que je suis presque le seul influenceur qui ne fait pas. Le seul! Quoi? Je suis presque le seul influenceur qui ne fait pas OneSbet. Parce que la plupart de tous les autres influenceurs là sont versés dedans. Ils sont dans OneSbet. Donc, je me rends compte en fait que l'argent que tu refuses de prendre là, les autres prennent ça. C'est ça qui meurt, ils s'accrochent derrière, ils sont sur ça, ils disent que non, c'est leur tout ici là. En fait, je me suis posé une question à savoir si je refuse et que d'autres prennent. Et que en fait, qu'est-ce qui se passe quand les autres prennent là? Vous, personne, vous jouez, vous investissez votre argent dans vos codes de promo, dans les codes de promo des influenceurs qu'on vous donne là. Quand vous perdez votre argent, en fait, ce sont eux qui gagnent. Bref, tout ce que vous pouvez comprendre. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que mon équipe et moi, on a décidé d'aller sur notre approche. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est que l'argent que OneSbet va nous verser, on va prendre ça et on va redistribuer à nos abonnés. C'est-à-dire, j'ai décidé de prendre cet argent parce que moi, je n'ai pas pris cet argent et l'utiliser. Mon frère. Je n'utilise pas l'argent, je ne peux pas utiliser cet argent. Je vais prendre cet argent et je vais redistribuer à mes abonnés. Seul! Donc, je coupe la vidéo à ce niveau parce que vraiment, je crois que vous avez compris l'essentiel. C'est-à-dire que le gars nous fait comprendre que cet agent qui se lance déjà, donc il se lance aussi dans le game, il ne veut, non, lui, il ne veut pas de cet argent. C'est qu'il a, il se soucie tellement de ses abonnés qu'il veut prendre cet argent et redistribuer à ses abonnés. Est-ce que tes abonnés, moi c'est juste ma question, t'ont demandé de faire cela? Vous comprenez, les Camerounais avaient le chemin. Je suis en train de rire, mais c'est regrettable. Mon problème n'est pas au niveau où tu te lances dans cette cagnotte qui détruit bel et bien la jeunesse. Mais c'est le chemin que tu fabriques pour berner les Camerounais qui m'inquiète. Tu aurais dû tout simplement commencer à faire la promotion de ton code promo sans venir raconter toute une histoire. Sans venir faire comprendre aux Camerounais que voilà, vraiment, c'est parce que je me soucie de vous que je veux vider vos poches. Voilà, c'est ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tu veux faire croire aux gens que tu te soucies d'eux. Pourtant, ce n'est pas le cas. Car, honnêtement, avec cette allure, vous pensez vraiment, vous qui me regardez, que le changement là sera facile comme vous pensez? On appelle ça la galère. C'est-à-dire qu'un homme qui se dit homme doit respecter sa parole. Depuis 5 ans, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes nombreux. C'est pas, tu as dit que tu es le seul, ou tu disais que tu étais le seul. Nous sommes nombreux. Il y a beaucoup, ils ne veulent pas me mettre là à faire la publicité. Je connais au moins ces 10 influenceurs camerounais bien suivis qui ne font pas la promotion de ces histoires. Au moins 10. Mais toi, tu viens, comme tu n'as pas pu supporter, peut-être tu as eu à côtoyer certains qui gagnent parce que ça donne beaucoup d'argent. Moi, je sais. Si je me lançais dans cette histoire, sans vous mentir, avec l'audience que j'ai, il ne devait pas manquer moins d'un million chaque fin du mois. Au moins 1 million. Comprenez bien ce que je vous dis, ce n'est pas la blague. Au moins 1 million chaque fin du mois. Moi, je sais. Mais j'ai dit que ça ne cadre pas avec ma ligne éditoriale. Bien comme tu as dit que ça ne cadre pas avec ou c'est ton idéologie ou c'est éthique ou c'est quoi machin truc que tu racontes. Mais que tu as décidé à la fin avec ton équipe
de te lancer aussi dans la mangeoire. Mais tu ne veux pas cet argent, tu veux distribuer à tes abonnés. Donc tu penses que les Camerounais sont tellement... C'est un collègue. Je pouvais t'écrire pour te dire cela, mais j'ai préféré faire la vidéo parce que je voudrais ouvrir les yeux de certains Camerounais qui pensent, comme toi, qui vont endormir les autres Camerounais et leur faire croire qu'en réalité, c'est plutôt pour leur bien. Non. Arrêtez ça. Cette histoire de... Je ne suis pas contre ceux qui jouent. Je ne suis pas contre ceux qui mettent les codes promo. Mais moi, je dis... ça n'aide aucun Camerounais. Allez regarder tous les jeunes, que ce soit les Benskineurs, que ce soit d'autres même, ont même perdu leur femme. D'autres sont des irresponsables à cause de cette histoire. Vous ne connaissez pas. Ça ruine la jeunesse. Tous ceux qui sont lancés dans cette histoire, ils ne sont... Regardez leur vie. On te fait gagner 100 000 aujourd'hui, pourtant tu as perdu plus de 2 millions. On te fait gagner 300 000 demain, pourtant tu as perdu plus de 5 millions. Tu joues chaque jour, tu perds. Mais le jour où tu gagnes 200, 300 000, tu es content que... Mais est-ce que tu as pensé à ce que tu as pu à perdre? Donc, franchement, les amis, c'était juste une petite vidéo pour faire comprendre que quand vous vous engagez dans la vie, quand vous dites que je ne mange pas le tarot, ne revenez plus un matin pour dire que non, comme le tarot ne me plaît pas, je veux lécher le mortier. Soit tu ne manges pas, soit tu manges. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas refuser le tarot et tu te retrouves en train de lécher le mentier. Non! Non, mon type. Non. Ce que tu as fait là est même très grave. Tu es même encore plus dangereux même que ceux qui jouent à ça depuis. Parce que tu veux faire croire aux jeunes que non, en réalité, c'est pour votre bien que je me suis lancé dans cette histoire. Non. Reste un homme. C'est sa parole. Quand tu fais comme ça, quand vous les Camerounais faites, on commence à douter de vous. On ne peut pas compter sur vous. On ne peut pas miser sur vous. Quand tu dis quelque chose, quand tu prononces une parole, il faut tenir à cette parole même après 10 ans. C'est comme ça que moi je suis. Quand je dis que je ne fais pas telle chose, je ne fais pas ça. Demain, on connaît à le parti où tu vas m'aller prendre. Parce que c'est la galère. Demain, tu vas dire non, vraiment, vous voyez là, je ne voulais vraiment pas faire la politique. Mais vu qu'on demande aux jeunes de s'intéresser à la politique, vraiment, je vois que moi aussi, en faisant la politique, ça contribue aussi à l'évolution, à l'émergence de notre pays. C'est ça que tu viendras demain dire aux jeunes. Quand on va aussi lui donner l'enveloppe. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux ce que tu fais. C'est très dangereux ce que tu fais. Je dis bien, c'est très dangereux. Fais très attention, chers jeunes. Fais très attention. Tout ça parce que, bon, le peu que tu gagnes sur Meta ne te suffit pas. Tu veux augmenter. Tu veux, on t'a expliqué que, bon, en faisant ceci, en faisant machin, pourquoi tu as d'abord refusé depuis? Si tu ne pouvais pas tenir. Quand tu dis quelque chose, il faut tenir comme nous. Nous, on dit, je ne ferai jamais la promotion de ces jeux. Jamais. Même jusqu'à la thème renferme. Jamais. Voilà, un homme, c'est sa parole. Vous entendez? Ok. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.